C'est très vivace dans mon esprit le moment où j'ai découvert cette musique. Je me souviens qu'on allait avec ma mère chez un disquaire de Buenos Aires. Et c'était le meilleur disquaire de la ville. Et là, j'ai découvert, il y avait un coffret, un vinyle bien sûr, avec les Nocturnes de Chopin jouées par Arthur Rubinstein. Alors, on est parti avec ce beau coffret. Et il faut dire que j'entends même maintenant des résonances de mon enfance et de mon rapport à cette musique alors. Et que, bien sûr, étant un enfant, je pouvais seulement pressentir la grandeur, la puissance qu'il y a là-dedans, mais je ne pouvais pas aller bien au-delà. Mais cette musique exerçait pour moi une fascination, un pouvoir magique. Et bon, après, quand j'ai commencé à étudier sérieusement le piano, la musique, et je me suis plongé dans ces partitions, ils sont devenus des compagnons de vie. L'un des livres qui m'a le plus marqué dernièrement de tous ceux qui ont abordé Chopin, et ils en sont légion, et c'est celui de Dominique Jameux. Et justement, je trouve qu'il y a une phrase qui est très belle, parce qu'il dit que Chopin, il se met à nu devant nous, il s'adresse à chacun de nous d'une façon très personnelle, très intime. Et dans ces nocturnes, on retrouve tout cela parce qu'il y a un parcours inouï. Si on pense à l'opus 9 et à l'opus 62, c'est sûr que les dernières nocturnes, il y a un langage harmonique d'une subtilité, d'une complexité qui est absolument fabuleuse, qui était aussi d'une hardiesse quand même folle pour l'époque. Il y a des beautés qui non seulement se dégagent de la richesse mélodique, mais de tout ce que l'harmonie apporte comme soutien à cette mélodie divine. Et il y a déjà un pressentiment de tout cela dans les premiers nocturnes. Donc on peut pressentir à la fois l'évolution, mais aussi une continuité stylistique. On peut ouvrir n'importe quelle page de ces nocturnes-là et deviner, pressentir, être en communion en quelque sorte avec l'admiration que Chopin il portait à Bellini par exemple, à l'admiration qu'il portait aux grands chanteurs de son temps, au bel canto, à tous ceux qu'il avait entendus dans le théâtre des Italiens à Paris par exemple.